Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, il y a du action dedans. Bon, très peu, mais c'est un article acheté en double que je vous présente. Alors, peut-être que vous les avez déjà vus, hein, je pense que ça fait quelques jours qu'ils sont sortis. Ce sont des décorations de Noël, voilà, à faire en diamond painting. Voilà, les deux que j'ai pris. Un Père Noël, un petit bonhomme de neige. Il y a d'autres modèles. J'ai vu, il y a des pingouins, il y a des petits élans. Il y a d'autres Pères Noël. Voilà, il y a plusieurs modèles. Alors, je vous montre. Alors, vous avez un QR code. Alors, je n'ai pas été voir encore, mais vous avez un QR code sur la boîte pour aller regarder la vidéo. Voilà. Donc, je pense que c'est la vidéo qui explique comment faire cet article. Alors, j'enlève le scotch. Voilà. Allez, on va commencer par le Papa Noël. J'enlève tout. Voilà. D'accord. Oui, c'est bon. Je vérifie un truc avant. Alors, d'abord, vous allez avoir un petit toolkit. Voilà, comme ceci. Le petit plateau, la petite glu, le petit stylet rose. Ça, on l'a partout. Vous avez... Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Une notice en image. Voilà, pour vous expliquer comment on doit faire. Et après, le montage. Donc, c'est un article qui va fonctionner avec des piles, puisque c'est une lampe. Et il faut que vous mettiez dedans 3 piles AA. Voilà, 3. Alors, on va avoir... Alors, c'est du recto verso. Le petit Père Noël. Alors, attendez, on va peut-être se mettre sur la feuille blanche, on verra mieux. Le petit Père Noël, comme ceci. Donc, recto verso, si je ne me trompe pas. Alors, là, j'ai... Oui, et de l'autre côté... Oui, c'est bien recto verso. Comme c'est transparent, on ne sait jamais. Donc, voilà, c'est du plexi, un peu épais quand même. Regardez, vous voyez ? Donc, c'est super. On va, bien sûr, avoir le support pour mettre notre petit Père Noël dessus. Donc, il va se mettre comme ceci. Alors, attends, avec le papier, c'est pas facile. Voilà. Hop, vous avez juste à le poser comme ça. Et il y a un petit interrupteur. Je pense qu'il va... Mais là, c'est avec le plastique, ça ne tient pas bien. Mais je pense qu'après, ça ira. Et il faudra appuyer sur le petit interrupteur qui est là pour l'allumer et l'éteindre. Ensuite, alors, sont tout petits les strass. Mais alors, vraiment tout petits. Cette taille-là, je n'ai jamais vue. Mais alors là, c'est vrai que c'est tout petit, petit, petit. Ça fait quoi, ça? 1,5 mm. Voilà. Mais parce que si vous regardez bien, voilà, hop. Bon, vous verrez pas bien peut-être, mais les ronds sont tout petits, petits, petits. Et donc, voilà. Alors, je voudrais vous montrer la taille. J'essaierai de faire une photo pour vous montrer la différence de taille avec un strass normal et cela. Comme ça, vous verrez bien la différence. Je vais essayer de vous faire une photo. Comme c'est tellement petit, je vais essayer de la faire. Alors, on a du transparent, du jaune doré, du rouge. Là, c'est pas du strass, c'est de la demi-perle noire. Mais alors, vous voyez, c'est tout petit. Alors, je vous mets mon doigt. Regardez.
voyez mon doigt à côté? C'est vraiment des toutes. J'ai jamais eu aussi petit. Là, orangé, du vert, du rouge, encore un orangé, un bleu, un autre bleu et un rouge. Mais vraiment, j'ai jamais vu aussi petit. C'est même rigolo. Par contre, ce qu'il est, c'est toujours la même taille hein, que d'habitude. Donc voilà pour le petit Père Noël. Et maintenant, le bonhomme de neige. Donc, on va avoir la même chose hein, dedans, bien sûr. Hop. Avec la petite notice également. Le petit toolkit. Voilà. Le support. Alors, je ne vous ai pas montré sur l'autre. Voilà. Alors, ah, il faut un tournevis. Ça, c'est bête. Alors, ouais. Je ne peux pas l'ouvrir. J'ai pas de tournevis sous la main. Parce qu'il y a une toute petite vis, là, qu'il faut dévisser pour pouvoir ouvrir le clapet pour mettre les piles. Voilà. Donc, sinon, à l'intérieur, ce sera comme ça. Donc là, il y aura une toute petite vis cruciforme à dévisser pour mettre les piles. Donc ça, c'est dans les deux. Hein. Et voilà notre petit bonhomme de neige. Voilà. Donc pareil, recto verso. Et ici, par contre, c'est des perles normales. Ah ben, peut-être que je peux... Et là, ce n'est pas des strass. Si, il y a un petit peu de strass et de... Alors, comment je peux faire? Alors. Je voudrais essayer de vous montrer la différence. Je ne sais pas si vous allez la voir. Alors, ça floute, hein. Non, mais je crois que je ferai une photo. Je crois que je vais faire une photo, ce sera la même meilleure. Alors, ici, donc, demi-perle orange, des blanches, des bleus ciel, des bleus rois, un petit peu de noir, du rouge, du vert, des strass rouges et des spéciaux en forme d'étoile. Voilà. Les étoiles, il va en falloir. Alors, c'est numéro 9. Oh, bah, on a ce qu'il faut. Hein. Vous voyez, on a tout ça en étoile. Il en faut une. Voilà. Enfin, il en faut deux, puisque c'est une de chaque côté. C'est juste pour mettre ici au bout du sapin. Donc là, c'est bien au niveau des strass, des perles. Bah, ils ont été super généreux. Vous voyez? Alors, je n'aime pas, enfin, j'aime pas, j'ai pas envie, moi, de faire des choses de Noël, mais là, je me suis dit, bon, c'est une petite lampe, je la mets, moi, je fais un tout petit sapin, hein. Des fois, je le fais, des fois, je le fais pas, ces dernières années, bon, il y a été une année où je l'ai fait, l'année dernière, je l'ai, l'année d'avant, je l'ai pas fait, l'année dernière, je l'ai fait, bon, cette année, je pense que je le referai. Et du coup, ces deux petites décorations, ben, je les mettrai au pied de mon sapin. Voilà. Donc, pareil. Alors, il y a peut-être un sens, non? Non. Ouais, c'est... Voilà. Donc ça, ce sera le petit bonhomme de neige. Et ici... Ah, j'arrive pas avec le papier, il se décolle. Voilà. Et ici, on aura donc le petit Père Noël. Voilà. Bon, c'est des choses qui vont aller vite à faire. Hein. Je regarderai la vidéo qui disent pour voir ce que c'est. Mais je pense que c'est juste pour expliquer comment, comment il faut faire le montage. Donc voilà, bah écoutez, je ne vous ai pas donné le prix, bien sûr. Voilà.
Alors, le prix, c'est 2,79 € pièce. Voilà. Donc, c'est pas cher. C'est un truc qui va aller vite à faire. Pour les enfants, pour les occuper, vous leur donnez ça. Et puis, après, c'est vous vous occupez, vous, de mettre les piles pour faire le socle. Voilà, une belle petite activité pour les enfants. Très facile. Alors, celui-là, je vous dis, les strass sont vraiment mini, mini, mini. Donc, mais il ne devrait pas y avoir de problème, même pour un enfant. Donc, voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo de 10 minutes, 10, 11 minutes, vous aura intéressé. Dites-moi si vous les avez déjà achetés, si vous avez envie de les acheter, pourquoi pas, si vous les avez déjà fait. Dites-moi tout en commentaire. Vous savez que je vous répondrai en retard en ce moment. Mais je répondrai à tous les commentaires. Et en attendant, moi, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.